Président République, l'excellent Jovenel Moïse, accompagné avec Première Dame, Madame Martine Moïse, Premier ministre, Dr. Jacques Guy Lafontaine, ministre de la Défense, Hervé Denis, présenté et puis installé dans le Grand Quartier Général, mardi 27 mars 2018, membre état-major, force l'armée d'Haïti. Activité ça qui réalisé dans présence président deux branches parlement avec l'autre parlementaire, membre pouvoir judiciaire, directeur général PNH là, et puis membre dans divers autres secteurs dans la vie nationale là, t'es occasion pour chef l'État, bay nation, à côté PNH là, moyen pour garantir sécurité, et puis bay pays a yon chance pour voter roche pal dans sécurité région. Il ne s'agit pas d'un acte émotionnel ou partisan destiné à satisfaire une chapelle politique, un groupement ou un groupuscule. C'est un acte d'État à caractère patriotique et inclusif dans la mesure où les forces armées d'Haïti se présentent aujourd'hui comme une nécessité, un passage obligé dans la lutte contre les calamités naturelles ou provoquées. Pendant la rappeler, membre état-major, importance et grosse responsabilité gagné face à peuple haïtien, excellent Jovenel Moïse mettait accent sur nécessité qui gagne pour force l'armée d'Haïti à suivre et puis appliquer ça qui dit dans le livre blanc sécurité et défense nationale là. Livre blanc c'est brevet FADH là, il définit ligne philosophique et li bay orientation et stratégique sur dispositif sécurité et défense institution. La tâche qui vous attend est écrasante. Vous n'aurez pas de répit. Vous avez la responsabilité de bâtir cette école de civisme, de patriotisme et de dépassement de soi. N'oubliez pas que sans la discipline, l'armée est une gangrène qui peut envahir le corps social. Cérémonie installation en Talbout dans le Grand Quartier Général FADH là sous champ de masse. Une force l'armée professionnelle, une force l'armée qui n'a pas rien pour la politique. C'est ça, excellent Jovenel Moïse te promet, et c'est pour ça la travail dans tête collée à toute instance qui concerne la question sécurité et défense nationale.